Waf, fais waf. Voilà, c'est bien. Et tu filmes là? Ouais. Ah mais c'est direct, ils ont vu quand j'ai fait waf. Moi depuis tout à l'heure ça filme. Bon bah go fais l'intro. Bon bah Wiki, t'as 8 minutes pour bon, bah, cette intro. Bon bah Wiki, fais une intro hein. Oh la pute. Oh ta mère Yuki. Oh elle a déchiré mon pull. Je vais la défoncer. Mais mec, ça tombe bien, dans la vidéo on va acheter des sapes. De ouf. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Michou? Magnifique pour la... L'intro magnifique, là on a de la concordance. Bon, yo les petits potes, yo tout le monde, c'est Michou. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie d'Inox Time. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Mon petit Michou, que t'es chaud. Mec, je suis trop chaud. Dans cette vidéo les gars, Inox va me relooker. Tout simplement. C'est-à-dire j'aurai tout le contrôle sur ton body. Exactement. En fait je me suis dit, moi j'ai un petit peu le même style tout le temps. Regarde, tous les jours je suis un petit peu. C'est vrai, un peu ça. Pareil, un peu comme moi. Là, des fois, aujourd'hui, mon flow, tu mets combien là? Ça, j'aime bien. Il y a de la concordance. Ça, c'est simple. Ouais, c'est simple, mais il y a de la. Là, j'aurais vu un truc blanc. Ah, en haut? Ouais. Tu notes combien sur 10? Sur 10, 7,5. 7,5, okay. C'est bien. Ça va, ouais, mais gros, ça va, ça va. Attends, tu peux. J'avoue, avoir, je suis un tu peu peux avoir 10 sur 10. Je suis un peu deg parce que j'ai fait un peu d'effort. Gros, 10 sur 10, pour moi, gros, c'est les mecs qui savent vraiment ouais, bien. 10 vrai, sur 10. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. 10 sur 10, tu vois, c'est. Tu vois, il y a du travail dans la tenue. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je suis un peu quand même parce que j'ai fait un peu d'effort. Moi, je me mets 6. Là, tu te mets 6. Ah, c'est simple, basique. C'est vrai que là, c'est basique. C'est basique. Air Force, Jogo Gris, Haut Gris, terminé, fin du match. Il n'y a pas d'effort dans la tenue. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi pour cette vidéo. T'es un mec, je trouve, t'as du flow. Ah ouais? Toi, t'as du flow. Mais tu sais, moi, je suis dans la vie, je suis en mode, tu sais quoi? Full black, chaussures, blanche, simple, efficace, je demande rien de plus. Du coup, je dois faire quoi avec ton corps? Ah oui, avec mon corps. Inox, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je fais? C'est très simple. Tu vas commander 5 tenues avec des thèmes pour me relooker. Ok. Et le but, c'est que ça soit des tenues pas extravagantes, mais faut que ce soit des tenues que je puisse mettre, mais qui me changent de d'habitude. Ouais, des trucs jolis. Mais ça soit un peu osé. On te reconnaisse pas. Du coup, je vais t'expliquer les thèmes. Le premier style, tu vas devoir m'habiller dans un thème un petit peu sportif. Voilà. En mode EPS. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, les gars, Inox va commander. Moi, je serai pas là. Et on se retrouvera quand on aura tout reçu. Et on déballe. Et je vais découvrir les thèmes. Et t'essayeras. On a un deuxième style, pyjama. Donc, que tu fasses mets... un style pyjama, frère. Mon voilà, pyjama, c'est mon caleçon. Ouais, moi aussi. mais là, tu vas pas prendre un caleçon. Pyjama, c'est ce que tu mets un dimanche pour chill, quoi. Putain, qu'est-ce que je mets un dimanche à part mon caleçon? Mais d'ailleurs, va falloir que tu fasses toutes les tenues de A à Z. C'est-à-dire. Attends, mais si. C'est-à-dire un haut, si un bas, de chaussures. C'est une paire de pompes là que tu utilises pas, là, je peux bien te la faire mettre. S'il y a une paire que j'ai qui passe bien dans la tenue, et eh bah tu peux la prendre. Ok, vas-y. Je t'entraîne bien une tenue. Mais ce genre de paires, elles sont tellement belles que j'arrive pas à les mettre. Ensuite, on a un autre style. C'est un peu notre style aussi. C'est streetwear. Ouais. Pour moi, streetwear, c'est des tenues un peu comme ça, genre un peu comme ça, tu vois. Bah, là, c'est abusé de ouf. Ouais, mais faut que ça soit aussi. Ah ouais, toi tu veux un moi, je veux comme que ça, quand... ma gueule. En fait, j'ai jamais trouvé. Là, moi, je préfère sa tenue à lui. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il a du flou. Bah voilà, tu pourrais t'inspirer des photos sur Google si tu veux. Mais pour moi, streetwear, c'est ça, ouais. Ensuite, un style un petit peu, quand tu t'habilles comme ça, c'est pour aller voir une meuf. Oh, 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 là, c'est pour avoir la classe. Le dernier style, du coup, été. Voilà. Ok, ça veut dire. Petite chemisette, enfin, je sais pas. Voilà, style été, quoi. En c'est mode, il fait chaud, petit short. Voilà, c'est ça. Bam, bam, bam. Bah, du coup, c'est bon, là. T'as du tout coup, on a tout. Alors, j'ai oublié, t'as oublié un truc. Ah, j'ai capté. Un maximum de pouces bleus. On s'abonne à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et on s'abonne à la chaîne d'Inox aussi. Bah, oui. Mettez la cloche sur la chaîne de Michou, bah, juste attendez. En dessous, là, tu vois, tu montes, tu descends, il y a une petite cloche de notification. Tu l'actives et t'es le boss. Alors faut savoir, pour le budget, il n'y a pas de restriction. Il y a zéro restriction. Tu reviens, on revient ici dès que je reçois tout et tu testes ouais. Tout. Là moi, je pense dans une j'avoue semaine. là c'est toi qui va tout commander et tout. Et je pense qu'on se recapte web d'ici une semaine. Ok, on se avec recapte. toutes les sapes. Oh là là, et tu feras défiler là devant la caméra. Je vais faire un petit défilé. Tu vas faire un petit défilé. Oh, et les gars, s'il y a 200 000 pouces bleus sur cette vidéo, on fait un épisode où je relook Inox. Ok, ça me va, ça me va. Parce que toi aussi, faut te relooker un peu. Parce qu'en vrai, t'as du style, mais t'es tout le temps habillé pareil. Faut pas qu'il me détruise, lui. Mais j'avoue, si c'est moi qui te relook, gros, je sais pas, je me sens mal. Je vais faire les pires tenues. Du coup, il va se foutre de ma gueule. Bah, let's go. Et bah, ouais. À toutes les refs. C'est parti, va commander tout ça, frère. J'ai réfléchi, on va commencer par la tenue pyjama. Moi, au pyjama, normalement, c'est caleçon, tu connais les bails. Sauf que là, je voulais faire un petit truc stylé. Mais j'avais envie d'être dans le fun. J'avais envie de faire un truc classe, mais un truc qui gâche tout, les pantoufles. C'est stylé, mais ça apporte un charme. Ça gâche pas tout, ça apporte un charme. On va prendre les pyjamas. Je me suis dit, pyjama Ralph Lauren. Tu déboutonnes la chemise quand il y a une meuf. Carré, c'est rapide, efficace. Et ensuite, les pantoufles. Je voulais un petit truc cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont drôles en vrai. Elles sont iconiques, les pantoufles. J'en suis sûr qu'il va les mettre tout le temps, du coup, les pantoufles. Elles ont l'air trop chaudes.
chaudes, elles ont l'air incroyables. Je commande ça pour la tenue pyjama. Je pense que j'ai fait le bon choix. Dans les commentaires, vous me dites si les choix de tenue sont bien. Du coup, je vais passer au paiement, les gars. On en a pour 126 balles. À faire 126 euros pour Pionsard. T'avoue, je signe pas pour ça. Les BG, désolé de vous couper en plein élan. Sachez que Inoxtag, ce petit bouffon, a oublié de rec le moment où il commande la tenue sportive. Il a commandé la tenue, mais il a pas filmé. Du coup, on va découvrir la tenue en même temps. C'est carré. Bon, les petits refs, on passe à la tenue streetwear. Là, c'est un peu la tenue. J'avais envie de tenter un truc stylé qui Michou n'a jamais testé, n'a jamais mis de sa vie. J'avais envie de tester des Jordan 1. Et je trouve que la Jordan 1, c'est quand même une paire emblématique streetwear. Je la trouve incroyable. Et j'avais envie de tenter direct la Purple. La Purple, la Jordan 1. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de mettre Michou avec une Jordan 1, avec un petit pente. Je me suis dit, un petit cargo Nike tout noir, ça peut être stylé. J'ai opté pour ça. Pour le cargo, je trouve que c'est pas mal. Avec celle-là, ah mec, elle est vraiment jolie. Et un petit pull violet pour rappeler le violet de la paire. Là, c'est un peu le même violet. Et pour rajouter un petit truc, je me suis dit, pourquoi pas mettre un truc carte par-dessus pour rappeler le noir de la Jordan qui est là. Je pense que ça peut faire streetwear. Après, faut voir comment ça rend porté. Mais c'est parti, go commander ça. Streetwear, Jordan, Purple avec tout ça. Et je pense que Michou va avoir la classe là. Troisième tenue, la troisième tenue qui est assez importante parce que c'est la tenue pour Charo, c'est la tenue pour Pécho de la meuf, c'est la tenue pour ton premier date, mon petit Michou. Quand tu vas aller en date avec je sais pas qui, peut-être Weshden ou je sais pas, mais tu m'en as parlé beaucoup ces derniers temps. Mais voilà, pour ton premier, il faut une tenue simple, efficace, terminée, fin du match. Déjà, stratégie numéro uno, Air Force One, toute blanche. T'es quasi sûr d'avoir conquéri la moitié de son cœur. Air Force One qui est juste ici. Ensuite, on part sur jean bleu, petit jean bleu. J'ai essayé de prendre un petit jean, je connais pas la taille des jeans, je connais pas. J'ai pris un jean qui m'avait l'air clean, tu vois, il m'a l'air clean, il est pas moche, donc je l'ai pris. Et comme je vous dis, c'est simple, efficace, t-shirt blanc. En vrai, le t-shirt blanc avec le jean et les Air Force blanches, le rappel du blanc avec les Air Force, ça fait très sobre. Il va la mettre, il va faire, c'est simple, c'est basique Inox. Je vais faire, oui Michou, c'est basique, mais c'est ça qu'il faut dans la vie. Faut pas se prendre la tête, il faut rester soi-même. Magnifique, magnifique. Bon les petits refs, j'ai commandé la dernière tenue, c'est-à-dire la tenue d'été. Je vous avoue, j'ai un peu hésité. Je me suis dit, bon, je pars sur quoi, etc. Je me suis un peu compliqué la vie. Là où j'aurais peut-être pas dû, j'ai pris un style que Michou, il met jamais. Je me suis dit, on va tenter, on verra si ça passe. Je suis parti sur une chemise un peu jaune moutarde, comme la paire, en mode satin. Ça va pas du tout Michou, hein, j'ai jamais vu avec ça, mais ça trouve, ça va passer. Le number one. Ensuite, je l'ai associé avec le t-shirt. Un peu vert, qui a vraiment la même couleur que la paire, si je peux vous montrer. La paire, c'est celle-là. Tu vois, la paire, elle est assez colorée et je me suis dit, c'est dur de matcher pour une paire comme ça, tu vois, parce que la paire, elle est stylée, mais je sais pas comment je la matcherai. On verra en vrai comment ça rend. Et pour finir, je voyais bien le jogging comme ça. De base, je voulais voir peut-être un short blanc ou un jean blanc, mais là, je me suis dit, bon, vas-y, je vais pas prendre plus de temps que ça. Ça fait une heure que je cherche. Il est assez large. Peut-être qu'il va tomber sur la paire. Je sais pas comment il va rendre en vrai. J'aimerais bien que ça tombe un peu sur la paire. On verra comment ça va rendre. On verra si ça va bien à Michou. J'ai donc officiellement tout acheté. On va voir comment ça rend sur Michou lors de son défilé. Je pense pas que je suis le mec de ouf qui sait trop habiller les gens, mais j'ai essayé de faire un truc stylé qui sort un peu du lot. Même moi, j'aurais pas tenté pour moi-même, donc on verra bien. Sur ce, c'est parti, on se revoit quand Michou a tout reçu. Let's go, mes petits restes. Re les gars, j'espère qu'on vous a pas trop manqué. Ça fait deux mois. Ça fait deux mois qui s'écoulent entre le début de la vidéo et là. Parce que en gros, entre deux, j'ai fait les locks. Et après, avec Inox, on n'arrivait jamais à savoir. Enfin bref, c'était la galère. Du coup, on se retrouve deux mois après. Est-ce que tu sais encore ce que t'as commandé? Mec, je sais encore ce que j'ai commandé. Ah, tu sais encore? Ouais, je sais encore ce que j'ai commandé. C'était normal, ils étaient dans mon studio pendant 4 mois. Sachez que du coup, moi, je ne sais pas du tout ce que t'as commandé. Bah, en fait, on m'a dit quoi maintenant en fait? Attends, je te ramène la première. Je ramène la tenue, je la juge et après, je l'essaye. T'as pas la tenue sportive normale là? Le problème qui va se poser, c'est que la tenue sportive, j'ai eu trop de goût. Mec, elle est trop stylée. Incroyable. Ok, let's go. La paire, on garde pour la fin. Oh, j'ai l'impression que t'es parti sur du classique. Non, normalement, il y a du orange. Attends, moi, attends, ça commence à me faire flipper là. Mais ta gueule. Ah, si, le pull, ça doit être ça. Pull, sans basique. Ouais. Petit pull noir, ça, simple, c'est pas efficace. Ouf. Cette tenue, les gars, c'est la tenue classique. Non, non. Attendez. Juste, attends les détails. T'as pris un pull. Attends les détails. Là, moi, j'ai déjà. C'est encore sur du simplice. Ah, ouais, c'est un manteau en fait. C'est une petite veste, mais c'est surtout le jogo qui va faire. Moi j'aime bien, j'avoue, mais en plus des vestes comme ça j'en ai aucune hein. Et le jogo, mets... c'est là la touche d'originalité. Du coup j'imagine que la paire il y a du orange. Ah, si paire... j'ai bien fait matcher les choses, il y a moyen. Moi la paire j'imagine blanc avec une touche d'orange. Attends je vais regarder. Mec, la paire est incroyable. Tu dois apprendre où aller c'est. Gros, tu sais que la paire est incroyable. Le jogo il est stylé hein. Le jogo il est grave stylé hein. Et du coup pour la paire, gros, il fallait matcher avec le orange qu'il y a sur le jogo, t'as capté. Normal. Tu vas voir si ça match ou pas. Oh, déjà, ça match avec toute la tenue. Déjà le modèle j'aime bien. Ah ouais, mais mec,
mec, je les trouve stylés. Mec, c'est la paire parfaite. Mec, attends, regarde, si tu mets la tenue à côté, c'est la paire parfaite. Là, je t'avoue, la tenue, elle a du flow. Ok, vas-y, bah, je vais me changer. Hein. Allez, viens là. J'ai la tenue. Le bas est stylé. La veste, elle est pas ouf. Mec, le bas, j'avoue que le bas, l'ensemble là. Mec, l'ensemble du bas, il a du flow. Ouais, c'est vrai. En plus, on dirait Dracula, le truc là. Ouais. C'est mieux sans la veste. Ouais, franchement, j'aime bien. Mais c'est vrai que la veste, pas ouf. Dans les commentaires, ah ouais, les gars, les commentaires, il va falloir noter toutes les tenues. En vrai, j'aime bien. Ça reste quand même un petit peu dans mon style. Je mettrais 7,5. 7,5 sur 10. Parce que c'est pas mal, c'est raccord, mais c'est classique. Vas-y, prochaine tenue là. Je crois que c'est pyjama. Mec, en fait, ça n'a aucun sens. J'ai noté sur le. Je vais mettre en pyjama. J'ai noté sur l'originalité et la classe. Enfin, moi, j'ai opté pour l'originalité et la classe. Ok. Non, y'a pas de débat. Mec, la paire elle est incroyable. La paire est incroyable, gros. Ça, mais attends, mais les Yeezy 650. Attends, mais tu mets où ton pied? Ah, mais c'est alors, c'est comme ça. Il te mange les pieds en fait. Mec, ah ouais, c'est incroyable. C'est trop... Du coup, moi je vais voir la tête du dragon, genre qui du dos. Les pieds. Mais mec, attends, mais. Elles sont trop d'art les pantoufles. Ça, c'est une vraie paire. Hein. Mais tu vois, ce qui est d'art, c'est que j'ai mélangé. Édition limitée. Édition limitée. J'ai dû arranger ça avec la classe. Attends, j'avais pas vu. Non mais gros, non, ça a pas de chance. Sérieuse. Mec. Ah ouais, mais mec là je vais dormir comme un qualité bébé là. Qualité du sommeil. Bon alors mec, vas-y, habille-toi. Eh franchement, non mais là je vais avoir du flow hein. Ça avec tu vas ça avoir frère. Un flow de papy mon gars. Mais gros, par contre j'avoue ça va faire papy. Eh tu vas être papy hein. Mec, je vais aller me changer. Vas-y. Mec, ouais. Alors là franchement. Oh, je suis mort. T'as ton maximum. Mec, le flow est à son minimum. Mec, ah ouais là. Par contre mec, c'est vraiment trop gros. Gros, c'est pas ma faute, j'ai pris S. Même le pantalon, t'es mal le pantalon. Là j'ai l'impression que les pantoufles elles doivent être trop confortables. C'est un papy. Mec, les pantoufles. Mec, mets ton pied dedans. Mec, en plus c'est incroyable. Mec, les pantoufles, je te jure, mec, je vais les mettre. Elles sont incroyables. Franchement, le pyjama, frère. Mec, j'ai envie de mettre 10 sur 10. Hein. Ouh, c'est du réussi alors pour mon pyjama. Même si ça fait papy, il a un petit flow, moi je trouve. Ouais, c'est un petit flow. C'est quoi la troisième tenue? Pour de vrai, j'aime bien. Mec, il va aller en date avec. C'est-à-dire qu'un jour, tu vas m'inviter au resto, je vais venir comme ça. Non, viens pas comme ça, mec. Je vais tout seul. Hein. Inox Tag, la troisième tenue, la tenue streetwear. Vas-y. Vous mettez quelle note à cette tenue? Mec, si j'ai réussi mon bail, normalement c'est la meilleure. Juste, je sais pas si ça va. Déjà j'ai vu une boîte Nike noire. Ah frérot, tu connais. On commence par le sweet. Sweet Dickies. Dickies, je connais pas cette. Moi j'aime bien. Ah t'aimes bien. Je connais et j'aime bien. Ça c'est le genre de truc que je pourrais voir et acheter. Ensuite par dessus pour pas avoir froid. Ah mais ça ressemble à ma Vesca. Un peu Carhartt. Ah mais bah, c'est Carhartt. Ouais c'est Carhartt. T'as repris la même veste que j'avais quasiment. Ah non. Mais c'est pas la même. Ouais ça passe crème. La veste j'aime bien aussi. Pour l'instant le pantalon. Mais j'ai essayé de prendre un truc un peu large Nike là. En tout cas le pantalon j'aime bien. Mais c'est surtout la paire. Ça c'est vraiment. La paire. Oh ouais la paire. En plus tu l'as déjà vu. Ah mais c'est la paire qu'on allait chercher. Eh oui mon ref. Bon les gars, on va chercher les chaussures de Michou. On est arrivé devant le magasin. Ah ouais. Père, hein. T'es obligé d'être accompagné d'une paire de Jordan 1, voilà, mon gars. Incroyable. Ah ouais. Je pense que j'ai d'être ça. Ok, vas-y, bah moi je vais m'habiller. Les gars, je crois, je pense que c'est la meilleure. J'espère que ça va lui aller bien. Les gars, je vous ai pas dit, mais j'ai fait de la guitare depuis toute ma jeunesse. Écoutez. Et voilà les gars. En vrai, vous dites moi si je suis chaud et que je devrais continuer parce que j'ai fait 3 ans de guitare et. Voilà, vous me direz si c'est bien. Oh là 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 là. Voilà. T'as du flow juste. Le pantalon. Mec, en vrai. J'aurais dû prendre un peu plus large. Mec, j'avoue que là. Mec, la tenue elle est incroyable. Ouais, le pantalon, t'as vu le bas? Mais mec, je pensais il était très large. Mec, c'est bien. Mais oui. Quand je l'ai mis, ça m'a serré collé. Ouais. Je me suis dit, bah non, mais. Du coup, je pense le pantalon, faut que tu en prennes un dans ce style, mais plus large en bas. Ouais, ouais, parce que les Jordan, faut que ça tombe, ouais. Combien si on a la tenue là? Ah bah, à part le pantalon qui tombe pas bien. Ouais. 10? Non, pas 10. Mec, il a mis 10 en pyjama. Mec, j'ai mis 10 au pyjama et ça, je mets pas 10. Il a mis 10 au pyjama. Non, mais je peux pas mettre 10 parce que le pantalon, 10. Il est pas parfait. Mec, 9 et demi en vrai. Mec, en c'est vrai, une réussite. Mais mec, en vrai, t'es un styliste. Bon, bah, c'est carré, les gars. Mission réussie, let's go. Pour l'instant, frère, t'es sur un sans faute. Oh là là, c'est incroyable. Sur un sans faute. Mais je sais qu'il va y avoir une faute. Mec, si tu me fais un sans faute, ça se peut, hein. Il est temps de passer. Quelle tenue? Il reste la tenue d'été et la tenue pour les gadgets. Bah, la tenue d'été. Comme ça, je repars avec la tenue pour les gadgets. C'est stratégique. Ok, la tenue d'été, ça commence avec ça. Il y a quand même des Nike ultra rares qui s'appellent les Sakai, mon ref. Ouais. Elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Après, c'est pas le meilleur coloris. Mais en fait, c'est ça qui est bien. C'est que les couleurs, c'est dur à porter. Mais comme t'as fait une tenue adaptée à la paire, ça va être trop bien, c'est sûr. Ouais, sauf que les vêtements adaptés à la paire, ils sont space. Quand je les ai reçus, je me suis dit, c'est pas ça que je voulais. Ah ouais? Vas-y, attends, on va voir. Alors, ça, c'est la tenue. Je déballe. Déjà, regarde, là, on est pas mal. Et le vert, c'est le même, hein. Ok, t-shirt classique. Maintenant, c'est le truc d'après. C'est bien aussi d'avoir du sans marque. Oh.
jogo blanc. Alors en fait, je voulais un short. Et ça, j'aime trop. Je voulais un short, sauf que je suis parti sur début d'été. Mec, le jogo, ça, c'est ce qui me manque. Donc là, mais attends, mais c'est juste ça du coup. Non, il y a un dernier truc. Et là est le risque. Sur la photo, il avait l'air stylé. Mais c'est un peu space. Ça va avec les couleurs. En fait, c'est le tissu. Mais en fait, sur la photo, genre, j'ai pas vu ça briller un peu. Ouais, ouais, ouais. Du coup, essaye, tu le déboutonnes. Ah ouais, j'avoue qu'il y a moyen que ça soit bizarre. Vas-y, bah je vais essayer. On sait jamais, Je vais essayer. Oula. Là, t'as mec, c'est moins choquant que je pensais. Mec, c'est moins choquant. Mec, là, on dirait que je vais danser à la samba. Hein. Je te jure que c'est moins choquant que je pensais. Non, en vrai, je préfère quand même sans la chemise. Genre, comme ça, ça passe mieux. Mais par contre, on dirait vraiment que je vais danser à la samba. Là, tu mets un short blanc. Ouais, j'avoue. Mais en tout cas, le jogo, je le kiffe de fou. La chemise est pas si catastrophique. Je pense, les gars, ceux qui connaissent bien tout ça et tout, je pense que tu peux mieux la mettre en valeur, la paire. Bah ouais. Mais frérot, c'est galère. De l'avoir dans un mood d'été comme ça. Ouais. Mec, j'ai envie d'aller au Brésil là, du coup. À Rio de Janeiro. Et alors, mec, tu mets combien là? Il faut un mec, tu mets un petit sombrero, un petit chapeau. Un petit sombrero des maracas. Oui, quitte au montage. Tenue pour date. Ah voilà. Tenue pour date. Donc tenue pour date, je mets les choses au clair. Mais tu sais que ce soir j'ai un date. Hein. Ah ouais? Mec, j'ai ma tenue. En sart tout ça ou pas sart tout ça? Non, pas en sart tout ça. Parce que la dernière fois il y avait 3 meufs dans le studio. Quoi? Non, parce que dit comme ça, c'est bizarre. Faut remettre les choses dans le contexte. Alors attends, moi j'attends le contexte. Ouais, mais je peux pas donner. Attention, je balance la nouvelle règle. Interdit de couper au montage. Mec, c'est là, quand tu sors ça, t'as pas le droit de couper au montage. Ah ouais, ouais. Ah. J'ai un truc. Mais comment ça? Non mais t'as pas le droit de le sortir comme ça là, sans contexte. Bah si, c'est dans le contexte. Mais quel... Attends. J'ai eu un appel de je sais plus qui, je crois Dobby ou je pense que c'est Bouzy. Quoi? Comme quoi, t'avais ramené une meuf dans ton jacuzzi. Mais... Alors. Il est où le contexte là? Bah le contexte est... on parle de meuf. Bon du coup tu ramènes la tenue là? Allez vas-y. Oh. Ok. Je te fais confiance. Prochaine fois que je vais voir une meuf, tu mets ça. La couleur de l'élégance, c'est le blanc. Ça je suis d'accord. Ok. Petit t-shirt blanc, t-shirt classique. Blanc. Oh. Tu pars en date frérot, tu sors le jean. Seul petit bémol, je connais pas ta taille frérot. Ah merde. Il y a moyen qu'il aille. Comme il y a t'as pris 34. Ouais. Bah je crois que c'est ma taille. Mais je suis trop fort. Pour pécho. Tu sais qu'en vrai moi jean par contre pour de vrai j'aime pas. Pour pécho. Oh, ça c'est la paire pour pécho de la gadjis. Pour pécho. Pour pécho. Classique. Même là tu magnifique. Les mets, c'est classique. En vrai elles sont trop belles hein. Bon bah vas-y essaye hein. Okay. Accueillons le mec qui va pécho ce soir. J'ai un vrai flow là. Je te jure t'as un flow pour pécho. Simple, efficace, pécho. En fait la longueur c'est bon. Non non il est bien en vrai. Non. Ah ouais. Non il est pas si bien que ça. Mec on peut passer à deux dedans. Mais t'as capté l'idée que je faisais. On peut passer à deux dedans. Faut mais on va à ta taille et ça fait stylé. En fait il aurait fallu 32-30. Les gars j'ai une vraie question pour vous. Enfin les meufs. Est-ce que vraiment quand un mec il a un jean. Quand la meuf elle voit que le mec il a un jean, c'est pas pour jouer au Uno frérot. Ouais mais est-ce qu'on a plus de flow avec un jean pour de vrai? Ah oui t'es plus classe. Pour cette tenue je mettrais un 7,5. Bah c'est pas mal. C'est vrai que c'est une petite note comparée aux autres. Mais parce que. Parce que c'est simple. Parce que c'est simple, c'est ça, c'est simple. Mais après j'avoue qu'en soi. Moi je vais te dire un truc. C'est bien. Les filles elles aiment la simplicité hein. En fait les gars je sais pas si vous avez remarqué mais Inox dès qu'il parle de filles il fait le down. Y'a pas besoin d'être dans le superficiel les gens. Oui. Quoi? En tout cas aimez comment vous vous habillez. Quand vous vous aimez on s'en fout. Ça c'est vrai. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Ce premier épisode on va dire de Inox me relook. Du coup il y aura sûrement un deuxième épisode où j'essaye de relooker Inox. Michou me relook ouais. Mais en vrai je veux bien te relooker avec mon style. Vas-y. Les gars merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Déjà si t'es encore là ben mec t'es le boss. Plein de gros bisous, à bientôt dans les prochaines vidéos, des prochains lives. N'hésitez pas à nous suivre sur nos chaînes YouTube, Instagram, tout ça, tout ça. Tu... Mec, j'aime trop quand je parle et tu fais des signes à côté. Bah, j'accompagne. Ciao les gars, on vous aime, bisous, cœur sur vous. Attends, mais t'es chaud. Tchuss, bye, bye tout le monde.